Moun, kap fréquenté route sud là. Nous mettre passer Matisse sans qu'est sauter. Hier passer Matisse à l'aise. Pas gen moun ki pral même gens ça hier. Ouais Matisse en tête faite là, pas gen moun k'ap détourner camion, OK, pas gen moun k'ap fouiller moun. Depuis l'en choisi mettre tête nous ensemble, nous fait la paix. Ça veut dire et ma, moi ba nous plus garantie nous mettre passer Matisse en l'aise. OK. Moun ki lan zone noire. Nous mettre passer sous matelas minoterie zone ça à l'aise. Nous mettre passer zone ça à l'aise. Ouais, et là tout pays a bon dit nous mettre passer à l'aise oui. C'est parce que c'est pas celle vous pas nous pas tendre me dit nous ça. Tout monde va parler. Moun ki pou parler. Moun ki wè pays en danger parce que gen moun e boyo gen danger yo pa rien non nous met passer à l'aise pa gen moun kap fouye nous pa gen moun kap bagay pa gen moun ki kon fouye nous déjà non parce que zone noire zone sud la bagay tout bay tête glace aucune de vos décisions te gen des autres qui te kon a fait bay moun ki te kon a fait des autres ça nous résout problème yo OK nous résout problème yo parce que ou konnen gen des autres qui fait c'est l'état qui fait tout ça qui fait. Yeah, tout ce qui est fait. Et comme son petit monde, petit qui pas l'esprit, et puis grand monde veut à l'acheter. Ou bien grand monde dit, pendant grand monde dans l'anzin, alors grand monde parle, il dit même papa la tête monde, papa la voisine ça. Et puis petit monde n'a pas compris ça, grand monde dit ça, non? Et bien, ok. Youn nan kote ge pi gwo katèl drog ki gen nan peyi a, se bòl an mè a an ba a, nan vilay de Dieu. Adam, mèsi. Est-ce que pas moi te dit nous dans mois juillet Izo te fait acquisition de un gros bateau. Comme si Izo gain deux bateaux. C'est pas John Colin Morvan qui te gain comment on relait ça encore drone ni à regarder ça mais c'est la police nationale d'Haïti. Je suis volé toute caille Izo. Yo joine Izo sont amateurs de bateaux. Qui a deux bateaux là, il y a un moyen bateau et un gros bateau. Même Jean-Olivier qui a deux bateaux. Olivier m'a dit. Ça veut dire, ils ont posté là, au niveau de village de Dieu, il y a deux bateaux. Et puis pour passer son bagage qui blague, Gounek même c'est amateur moto à chien lié. Ils ont volé la caille, ils ont gardé tout bagage. C'est Mano qui sont amateurs de chien. Et de motocyclettes, différentes motocyclettes, Ninja, Cos, lot de tel bagay, plein moto. De negyo qui sa yo spécialisé dans deal drogue et dans question kidnapping. Ils ont son kaid. Et le pire, nous songe émission ça ça on va chercher pour nous. Et je crois que un groupe bandit, un groupe nèg qui nan drogue qui nan tout bagay dans les États-Unis d'Amérique qui gen qui gon bagay crips. Yo gon non bagay crips comme ça. Yo couleur c'est bleu. Yo lié à Kizo. Et wap jwenn tout nèg 5 secondes, yo wap jwenn yo écrit crips là en dedans bagay yo parce que yo gen liaison. On vient à dossier ça pour nous. Nous pas comprendre rien dans rien. La main Izo c'est pas lié. Dominicain, colombien, c'est la caillou village de Dieu. Yé. Non pas gain l'état. Femme absorti, dominicaine absorti en dans Santo Domingo, apporté non pays. A vinn fait temps au village de Dieu. Y a prend plaisir après ça, y pral retourner dans République Dominicaine ou pas jeune la police arrêté youn pour poser une question qui bon teyé, qui bon patié. Qui bon yé la village de Dieu. Il a rentré à l'agent, il a sauté à l'agent. Il y a tout côté, il y a dans Saxo, il y a dans toute petite ville là, net il y a pour plaisir, il y a dans club qui boyoyé village de Dieu. Dans figi tout le monde. Ou pas go service de renseignement du tout. Madame monsieur. Pi fò nèg ouè qui campé en l'air dans petite ville là dans drogue. Pi fò nèg yo net. Tout
koto wè krele Matisan nèg sa yo 1h 2h du matin y a pran plaisir yo là débarqué vinn fè deal yo normalement deal l'argent deal drogue deal zam tout bagay net la Matisan nèg izo yo gen patrouille pa yo nèg k ap fè patrouille sou zoriken patrol monte descend 2h du matin gen de lè yo campé yo tout pas son gros camion en route là yo bloqué la rue telle date machine pa pas encore la police konn tout bagay sa yo m'ap parlé avec un gros chef dans la police monsieur dit moi vanne pas menti la ban moins à combien mètres pour entrer dans village côté Isoye à c'est lik pou bon route c'est lik bay route c'est lik couper route il pas ban menti si c'est pour force internationale il pas jamais ka faire monsieur en rien ça c'est zanmi hein qui dit moi ça la police encore et pas chef qui est le chef oui madame monsieur et pas chef qui gratis c'est non qui dans institution dis-moi que route pour entrer dans village de Dieu c'est Isogbo route pour entrer et pas route by tête route et la police pas ca by tête li route pour entrer dans village de Dieu et monsieur dit mon vendre le pire c'est que monsieur piégé toute l'autre entrée nous même nous t'ka utiliser pour n'al prendre yo li piéger yo ça veut dire même sous bon chaque avoc à entrer ou jeune bonbon gaz sauter et puis du feu mettre il dit seul lui même qui bon route pour entrer et l'elle bon route là lui même il est préparé avec tout soldat yo pour bataille pour yo fan nous c'est dit sauf force multinationale ou bien qui ka mette donèg sa yo atè ou même dans la police nationale d'Haïti yo konnen yo pa capable c'est pas blague autorité ça pa vèm même tout c'est parce que le sincère parce que l'autre nèg qui responsable yo pa sincère ou même yo toujours bay menti a n'ap goumen n'ap bataille a mon chè n'ap fè ça n capable yo konnen yo pa ka fè ça ou capable vwe mais le konso gat nèg yo madame monsieur. Bon gros coquin chen matou qui écrit John Golem Morvan avant-hier. Qui l'était vendredi. Dit Morvan au cap. Dit Morvan parler avec responsable police au cap. Comme chaque mois dit un bagage ou toujours abdormi sous ça. Dans moment m'a parlé là, m'ta remet ou voye chinois yo dans plage qui relé Camp Louise là. Dans au cap. Pour yo di ou ça qui passé. 2415 kilos cocaïne délivré et puis 17 millions dollars remettre. Et Michel plus loin. Il dit toute police qui gen poyo déjà comme ça déjà. Il dit frère, moi même c'est pas figou m'a pas acheté. Et parce que moi qui bataille ou mener pour pays ya. Même t'es juste besoin fort comme ça. Al fouiller pour ouais. C'est ou pas joindre toute information yo frère. Voyez yon moun al mener enquête. Samedi madame monsieur. Monsieur Rélemi dit police au cap c'est un paquet bluffé depuis ou baï ou l'argent y a depuis ou baï ou l'argent y a quitté droit ou passé facile ça c'est samedi il dit parce que monsieur dit parce que il y a deux gros taux de dealer dans au cap qui c'est mapou zanmi pas grand rien qu'a fait tout autant que nèg sa yo dans ville là yon droit dealer que les Tony yon ki rele Nathan et yon ki rele ti François ti nèg sa ancien yoyé et pa gen rien ka fèt nan ville la depi yon inclus la dan pou la police ka fon pa gen de non la ke m pa choisi cité tout mais ça bon et vi lundi monsieur rele m
il dit m'badou menegyo e fait chap fait et fait chap fait toute l'argent de livré toute drogue livrée negyo connait assez fait chap fait qu'on a réussi. Combien 2415 kilos cocaïne, 17 millions de dollars. Nous même nous pensons c'est blague. Ou même je dis pour me dire nous vrai, me voyer information au cap. Mais nèg yo pa gen tout élément en main au vrai comme si yo pa gen moyen pour travailler vraiment pour yo ka rapide comme ça pour yo identifier et pour yo ka joindre information est-ce que c'est une information qui vrai lié. Et pourtant mesdames messieurs de gagner drogue la vraie avec toute l'argent entre au cap à département plateau central mi balai au cap c'est deux côtés ça yo drogue la vinn bay vrai pourtant drogue la te vinn bay vrai peut-être drogue la doit pas de bay dans quand Louise la vraie parce que yo te gagne droit c'est yo font gens yo détourner comme si yo localisation yo pas bay li direct parce qu'on pas jamais ka faire drogue dealer confiance. Et pourtant, drogue la baye vraie entre au cap avec département plateau central, plus précisément Mibale. Mais non, nèg qui n'a drogue là, c'était Carlos Perez qui sorti Colombie. C'était Ronnie Celestin et c'était Hervé Foucan. Plus on s'est eu de nèg au cap. C'est nèg ça qui était dans drogue là. C'est pas blague, ma banou là, mesdames, messieurs. Nego cap yo mba konnen ou bien dans série de ti François na tambaron moun za c'est informateur a qui bam non exam. Eh bien mesdames messieurs tout autant que nous est iso village de Dieu dit nous que bon comme batan de nan bouche li ou tande nèg ap di ge dekadashnikov avec nan sac charbon et te gon paquet de centaines de projectiles bagay bal. C'est pas de jambes vrai, mesdames, messieurs. Son cargaison cocaïne dans même drogue ça qui sorti, qui rentre en dans mi balai, qui a sorti mi balai, qui passe par son dos, et puis qui a vint joindre Iso en dans village de Dieu. Et même drogue dealer ça, tout le temps d'entendre du Dominicain, c'est Neg Carlos Perez. Carlos Perez dans Colombie. Et pas jamais dominicain vrai. Mais nèg qui pas yage pas n'est pas connait, ni même pour l'île du dominicain parce qu'il parle espagnol. Éclatement social la fête quand même. Et l'herbe c'est ça pété dans visage, je m'a demandé est-ce qu'il y a bien infirmière? Est-ce qu'il y a bien docteur? Est-ce que il y a bien un professionnel de santé tout bon pour répondre à tant d'abcès ça pour péter dans visage nèg. Pays a dit assez, nous pas capable aller gens liés là. Cartel drogue ça mesdames messieurs entre Colombie, République Dominicaine, Haïti avec plateau central. Et pas journée jodi a y a fait coup. Et bien même bandi drogue dealer ça yo, et bien yo détourné drogue qui pral joine Isoa parce que yo konn koua. Pas oublier, Hervé Foucan quitté sud, c'est Mibale elle vinn rete. L'elle vinn rete Mibale elle ba égaré non. Parce que y a trois projets. Il y a trois projecteurs à l'heure actuelle dans le sud. Il y a trois projecteurs dans le sud-est. Dil drogue pas fait là, Jacques Mel encore. Parce que la police connaît les gaoli qui saouye dans Jacques Mel. La police, via SDPJ, commence à chercher le contrôle la mer. Là dans le sud, monsieur senti le petit peu embarrassé dans le sud. Il y a des deals qui pas fait encore. Monsieur quitte le département, là les Mibale. Et depuis là, il faut qu'arrive Mibale. Mesdames, messieurs, drogue pas suspend tomber dans la région. Dans la région, ça là, même du tout, avec au cap. Au cap, Grande Rivière du Nord, mesdames, messieurs, avant-hier, un petit avion, déposons paquet de drogue pour nèg yo. On seul nèg, rete l'acheter 5 machines, non seul grain journée. Bon, gon machine, on a demandé 10 000 dollars pour lui, nèg la tellement remène l'acheter pour 25 000 dollars. Et n'a pas demandé au commissaire du gouvernement au cap là, Maître Durand, mettez informateur à terre, surtout. Dans la Grande Rivière du Nord, ou pral jouen kose, ou pral kon combien nèg qui kap manje on kop drogue actuellement là, des centaines kilos cocaïne en dans Grande Rivière du Nord se tombe là. Ou al chèche konne ki gren nèg pou kot li, on machine
un foreigner qui te vend nèg mettre lui te vend $10,000 pour lui monsieur fait mais monsieur bail mettre lui $25,000 l'acheter machine comme si l'acheter la prix double mais comment et monsieur acheter 4 autres machines encore on a dit battre même gagner dans mel madame monsieur battre même gagner dans mel dit doit la fête et puis mais ça il comme ça et comme ça nèg qui dans doit saute même depuis comme la tomber tout fort et comme là bon Nous depuis comme la tombe tout fort ouais comme là c'est comme ça yoyé et n'a demandé commissaire du gouvernement au Cap-là mettre Durand arranger faut l'arrêter nèg ça dans départ. Est-ce que c'est l'argent te prêté pour renforcer l'économie hein? Différents rapports. C'est l'argent ça a côté prêté à tes fait. Qui ça le fait justement? Mais le résultat dit que pratiquement, il n'y a pas de fin au bénéfice de l'économie. Et bien la Cour supérieure des comptes font ensemble de rapports tout qui dit que l'argent ça, notamment Petro-Caribé, nous compte côté le passé déjà. Ça veut dire que n'a payé pour ça ne pas bénéficier en réalité. Mais le ministère des Affaires sociales justement, tu as gagné environ 30 milliards de gouttes. C'était donc deuxième poste qui est plus important dans le budget. Et bien 30 milliards de gouttes, je dis à qui ça le fait? Le rapport complet n'est pas disponible. Mais en tout cas, nous pensons que. L'important pour que la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif font audit. Parce que ce n'est pas normal qu'un gouvernement, à chaque moment, lui dit qu'il y a des programmes sociaux, c'est le secteur social qui est prioritaire pour lui. Mais voilà que la situation non seulement a détérioré d'un côté, et deuxièmement, c'est ça qui est grave là, oui, on n'a jamais vu le programme social du gouvernement en réalité. C'est-à-dire, on entend parler de plusieurs projets, de plusieurs milliards de gouttes pratiquement, mais on n'a rien vu et nous connaissons que, écoutez, les projets sociaux ou bien ce ministère, son ministère à travers lequel justement, l'impossible pour que un ensemble de corruption que fait. Parce que c'est simple. Bon, historiquement, et où sont expliqués ça, Johnny. Mais deuxièmement, données pas fiables, parce que pour aider les gens qui sont mal, mais il faut qu'on côté eux. Deuxièmement, il faut qu'on combien yoye. Je ne dis pas qu'il y a combien nous y en Haïti. Ouais. Pas oublier, non. Nous avons un recensement dans le pays ça depuis 2003. Je ne dis pas combien nous y en pas qui répond aux questions ça. C'est-à-dire, on n'a pas un contrôle sur la population. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut qu'on base de données sur les gens qui sont mal pratiquement. Ouais. Base de données qui existait, c'est CIMAS. Grand pile, il faut faire la donne. Mais CIMAS montre que même dans le moment coronavirus là, c'était scandale tout simplement. C'est-à-dire, le ciblage de programmes sociaux pas bien fait du tout. Parce que justement, données au pas fiable. Donc, l'on considère élément ça ou dans le budget, ou pas qu'a dit que gouvernement, même si à travers la douane, il y a des résultats, que justement, résultat le positif. Et d'ailleurs, si on peut exécuter le budget, Johnny, pourquoi? C'est pour renforcer l'activité économique, là? Faut qu'indicateur économique soit en bonne santé. Mais si l'indicateur économique n'est pas en bonne santé, là encore, ou t'as dit que gouvernement, dans l'exécution de budget, ça que ça te passe à année, ça que ça te passe à, c'est l'échec. Mais pas oublier, nous sommes dit que l'on a gardé l'année fiscale là, justement, il y a trois éléments qui sont importants là dans nos budget. Donc là, c'est une bagarre question. On a pris compte que si nous gardons ça que passe à, malheureusement, nous ne pouvons pas revivre encore. Puisque c'est l'échec total, tout simplement. Donc, gouvernement, ça a capable d'être satisfait. Il n'y a pas de problème, mais il faut venir avec les informations qui sont disponibles, justement, pour que vous décerniez, souvelez cette plaque à vous-même pour que vous dites que vous fait de bagaille qui est extrêmement important dans l'économie. Mais la réalité prouve que, écoutez, l'année fiscale, ça a été une année, en tout cas, catastrophique et la dépression économique a renforcé dans ce pays. Ça, c'est un élément important. Et Nomi Germaine a rappelé aussi invité nos matins, aussi économiste, aussi président firme et pour éco et aussi professeur économiste développement dans cette PEA. On a regardé le nouveau budget ça pour voir les mêmes adopter et du coup, regarder tout et qui ça a bilanté pour l'exercice sur le passé à là. Mais nous avons ou fait un bon, c'est professeur et quand même, il va pas être difficile ça me parle pas de faire et de manière pédagogique pour expliquer mounio et trois éléments pour nous là parce que si n'a parlé et c'est vrai économie a un jargon li mais et pour le commun des mortels capsule là qui pas forcément et maîtriser par le même jargon des profanes dans comme d'abord l'on parle de croissance économique juste pour juger le soit positif ou négatif comme objectif. D'un mec ou expliquer public là, ou expliquer auditoire là, à qui ça nous doit faire référence. Parfait. Et c'est une belle question. Croissance économique d'abord, c'est indicateur non économique plus important. Parce que il fait référence justement à la quantité de richesse qui produit dans l'économie. Mais qui est cette richesse là? Richesse là, c'est ça où il est valeur ajoutée dans l'économie. C'est comme si Mdado, costume ça organise sur voilà, un boss qui achète toile là. Toile là, c'est. Et produit de consommation intermédiaire. Et puis justement, le fait costume. Donc, c'est toi là le dégain, le fait costume. Finalement, combien de costumes nous allons vendre? La vente, justement, on prix, qui c'est prix toi là, plus sa savoir-faire, boss la météa, qui baille costume. Donc, c'est-à-dire savoir-faire là, c'est une valeur ajoutée.
L'opre tout élément ça dans l'économie, c'est lui qui vient les richesses que l'économie produit. C'est pour ça que vous l'économie, c'est importer la plaie d'importer. L'économie n'a pas produit richesse. Donc, il faut l'économie. Et pour importer, il est capable d'importer un ensemble de produits de consommation intermédiaire. Il met valeur sous lui. C'est valeur le mettre sous lui. Et que finalement, il fait un bagage qui est plus important. C'est mon seul bagage qui est plus important, qui est la croissance économique. Ça, c'est sous Abgadel, non lunette de valeur ajoutée. Mais il y a l'autre lunette. C'est-à-dire que, gon lunette, il y aurait les lunettes emploi. Par exemple, Johnny, ou gon savoir-faire, ou vin travail dans Caraïbes, Caraïbes paye un salaire. Donc, pour ou dégager, justement, on valeur, on revenu, justement. Donc, l'opre, ni ou même qui fait revenu, ni entreprise qui fait revenu, ni l'autre acteur dans l'économie qui fait revenu, l'opre, tout revenu, ça, justement, il vient de la richesse globale que l'économie produit. Et mais c'est ça qui prend le relais croissance économique là. Donc c'est-à-dire richesse là augmente aujourd'hui. Mais quand il y a la logique richesse qui augmente aujourd'hui, on garde le par rapport à l'année dernière. Il y a fait différence de richesse évidemment en formule, il vient bon croissance économique. Mais croissance économique là pour clair, c'est quantité richesse qui produit une économie normalement pour une année donnée, c'est-à-dire le plus souvent pour une année donnée. Ça veut dire on comprendre que l'extrêmement important puisque c'est richesse pour permettre l'économie toujours rouler. Parce que si savoir faut gagner journée ou pas mettre au profit de la activité économique pour qu'on fait revenu, on pas qu'être l'autre activité ou pas qu'à régler, on pas qu'être besoin ou pas qu'à satisfaire que. Et mais croissance économique là, c'est tout ça où river dégager comme agent économique. Mais comme on a parlé de croissance économique, c'est pas où seulement. C'est-à-dire, c'est tout ça économie river dégager en quelque sorte. Mais nous d'accord que définition plus facile là, par exemple en salle de classe, on a dit étudiant, il y a plusieurs logiques pour calculer quoi, pour calculer souvler, logique pour calculer croissance économique d'abord ou dans PIB, logique valeur ajoutée. Logique et revenu, hein? Logique emploi, c'est-à-dire qui ça va y faire pratiquement. Mais pour comprendre bien, c'est qu'on son boss tailleur, ou acheter toile là, ou mettez ça qu'on est là-dedans, ou fait costume non vigne valeur sur lui. Il y a plus valeur que toile là, je dis, hein? Puisque, bon savoir qui produit pratiquement. Eh bien, l'offre ça, son richesse. Mais l'offre richesse ça, ou comparé par rapport à richesse l'année dernière là, c'est lui qui fait que y a plusieurs valeurs qui créent dans l'économie, puisque c'est plusieurs boss tailleurs n'a parlé là, c'est plusieurs agriculteurs, c'est plusieurs l'autre monde dans plusieurs secteurs, etc. L'autre socio-professionnel. Et bien, ça a une bonne richesse qui crée dans l'économie. Donc c'est l'élément ça, et c'est l'élément ça depuis 4 années là, c'est régressé d'après régressé là. C'est régressé d'après régressé justement. Et vous comprenez ça qui est mal là, vous pouvez le comprendre. C'est que, sous régressé année ça, Johnny, ou régressé année ça par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire année ça, ou fait plus mal que l'année dernière. Mais sous déjà plus mal, je dis, année prochaine ou plus mal encore, donc ou fait plus mal que l'année qui était plus mal là. Et bien, Haïti, c'est ça, le fait, elle fait plus mal que Haïti qui était plus mal là, 4 fois. Donc c'est comme si Mdadou Haïti a perdu richesse. Donc pays a pas construit richesse, pays a perdu richesse. L'a perdu richesse parce que et richesse là finalement c'est pour arriver l'a perdu richesse comme ça. Donc à qui sont attendre comme conséquence. Justement, et bien richesse qui produit justement qui ça le fait de pays, elle fait pays à riche ou bien le pauvre parce que n'a pas parlé de richesse. Les a dit un pays extrêmement riche ou bien extrêmement pauvre ou bien un pays justement qui dans milieu intermédiaire là selon la Banque mondiale, lui voulait dire que est-ce que pays a produit richesse. D'ailleurs, c'est pour ça indicateur plus important pour regarder richesse PIA, c'est PIB. PIB a pas oublié non, c'est avec le calcul de croissance là, parce que pas oublié non, PIB a lui-même c'est lui qui bombe toute valeur, c'est lui prend avec comme indicateur et puis me calculer justement croissance économique là. Donc si PIA, si me garder comme si me donne toute richesse PIA au gain, hein, c'est en termes de PIB, en termes de croissance, c'est croissance pour moi non, PIB extrêmement élevé, soit PIA vient plus riche ou bien lui vient plus pauvre. Et mais Haïti justement, suivant les 5 dernières années, les 4 dernières années, bientôt pour les 5 malheureusement. Sous garde éléments, on va prendre compte que Haïti est presque tout une fabrique de pauvreté. C'est comme si Mdado, son côté, c'est pauvre l'a créé. Chaque jour que levé, pays a créé pauvre. D'autant plus qu'il y a un problème fondamental, Johnny. C'est que la richesse n'est pas partagée dans ce pays. Mais ça veut dire. Ça veut dire que même si économiste parlait de croissance économique qui est extrêmement important, mais il faut croissance là, la jeune population, c'est-à-dire il faut la jeune tout le monde. Faut que justement croissance qui fait là me bénéficie la donne parce que je travaille. Faut que tout le monde bénéficie la donne. Mais en Haïti, en général, la croissance les bénéficie à une petite catégorie de monde. C'est pour ça que le pays a plein d'inégalités. C'est comme si Mdadou, je dis, nous créer 10% de croissance. Ça veut dire nous créer 10 gouttes de croissance. On dit nous créer 10 gouttes de croissance. Mais il y a deux mondes pour compter qui déjà prend 8 gouttes de la donne. Donc, on avait dit, reste là pas joindre un yé du tout, du tout, du tout. Donc, pays a non, un, non seulement le pas créer croissance, ça veut dire pays a pas créé richesse. Deuxièmement, richesse qui produit, il n'est pas partagé. Et l'organe, ça, on le fait, c'est source
de tension sociale. Donc pas inquiéto, l'orgue ça a libor gang, bah dit c'est seule raison faire gang. Ah oui, mais bien sûr que oui, libor gang, libor frustration, libor manifestation répétée parce que justement un ensemble de monde ou exclu de assiette économique là. C'est ça que fallait parler de pays, ou parler de nation. Son communauté qui vivent ensemble, n'a vivre ensemble gain justement de compromis que nous fait. Il y a des bagages nous partager et en général, quand il pas qu'à partager, gon acteur qui fait ça. Acteur ça relie l'État. Et ça fait l'État a une mission économique, une fonction économique. Il y a une fonction économique l'État, c'est la redistribution. Redistribution veut dire que l'État comme habite guerrier, li campé là, li wè, son petit catégorie de monde qui prend toute richesse là. Et ben li dit tête li que moi pas d'accord avec ça. Et bien bon je vois l'habite là pour me permettre si ça pas gagner ou joindre tout. Mais le problème en Haïti c'est que historiquement ou on l'État qui au service d'un petit classe monde. C'est ça qui fait l'État font petit classe monde riche c'est historiquement hein. C'est-à-dire un petit groupe monde dans pays a extrêmement riche alors que majorité est extrêmement pauvre dépendant ça ou pas capable dans tension sociale. Donc oui, la croissance économique est fondamentale pour l'économie, mais deuxièmement, est-ce que la croissance est partagée? Elle est partagée à travers un ensemble de mécanismes qui mettent en place, un ensemble de mécanismes de distribution de revenus que l'État a metté. L'État n'a pas fait croissance, deuxièmement, l'État va partager. Donc l'État a échoué dans la fonction économique les plus essentielles que le gagne. L'autre deux éléments nous été souhaité que vous expliquez davantage pour auditoire là avec internaute New York, c'est d'abord cette question d'inflation parce que nous à plusieurs reprises il y a des données qui sorti sous moi mais qui sorti sous année et fiscale là t'as remis que ou expliquer mon ça puis bien avant même nous arriver sur question service de la dette là. Eh bien justement ce qui arrive c'est que économie yo appelé pour prix plus ou moins stable mais là on dit prix stable il va veut dire que prix a fixé non mais il veut dire que les cas évoluent dans une fourchette acceptable. En général, ça fait parler de trois types d'inflation. Une inflation qui est extrêmement faible, une inflation modérée, une inflation qui est extrêmement importante. Puis, pour l'économie, il y a battu pour qu'il y ait inflation en environ 5%. Mais je vais expliquer clairement ce que je vais dire, mais pas oublier ça qu'inflation. C'est augmentation générale du niveau des prix. C'est comme si Mdado, c'est mal acheté, m'a mis du riz à Jodia. Moi, elle vend 10 gouttes. Demain, moi, elle vend 15 gouttes. Grosso modo, 5 gouttes qui montent sur l'an, c'est l'inflation. Donc, inflation, c'est augmentation prix dans l'économie. Eh bien, il y a inflation mensuelle, il y a inflation annuelle. Inflation mensuelle, c'est le même gars de prix. Jodi, on a parlé de septembre par rapport à janvier en août. C'est-à-dire, comment prioriser en août? Comme il est difficile pour me garder prix chaque jour, je garde soit son base mensuelle, soit son base trimestrielle, ou bien son base annuelle. Sous base mensuelle, là, je l'ai dit que je vais acheter ma midurie le 2 septembre, par exemple, de 10 gouttes, mais maintenant, dans 2 octobre. Moi, elle vend 12 gouttes. Donc, on a inflation. C'est ça, où elle est un glissement mensuel. Un glissement mensuel, c'est moi, au comparé. Un glissement annuel, c'est comment elle était l'année dernière par rapport à janvier, jeudi. C'est-à-dire, pour moi, est-ce que bagarre la plus difficile pour Mounio ou bien justement, une situation de stabilité. Donc, c'est ça qu'inflation. Comment prix augmenter dans l'économie? Il est important pour prix pas plaider augmenter, je vous dis ça tout à l'heure, parce que l'inhumain m'a voix qui a fonctionné comme agent économique. Parce que quand ces budgets ont fait pour fonctionner, de façon formelle ou non formelle, ou qu'on est, par exemple, ou un salaire, le salaire moyen, écoutez, dans l'administration publique, c'est environ 35 000 gouttes, 40 000 gouttes, ou qu'on a 35 000 gouttes, ou dites à tout que moi, ça, qui sont qu'à faire 35 000 gouttes? Ou garde tout ça qu'à faire avec. Mais si après 3 mois, moi, je me compte que 35 000 gouttes, ça, li fait, pas qu'à faire même bagaille avec, c'est que me déranger. Donc, inflation, contrôle inflation, li là pour que le parfois déranger pratiquement. Pour que li fait, quoi vous gagnez, li kebe même valeur. Log inflation, Johnny, c'est comme si m'dado, quoi vous gagnez, mon là, 10 goudou gen nan mon jodi a qui représente 10 goudou en termes de valeur. Fok, alors, li érode pouvoir d'achat. Ça veut dire qu'il faut pas gagner même quand c'était kobla nan mon encore, puisqu'on pas ka faire même bagavel. Donc, nominalement, ou toujours gen 10 goud, mais réellement, ou pas gen 10 goud, puisque ou pas ka faire même bagar kobla. Ça veut dire que c'est pas ka faire. C'est pour ça inflation son problème. C'est que li érode pouvoir monnaie que ou gen nan mon là. Modem gen nan mon lan, ou même qui c'est individu, entreprise dans tout la fonctionne. Entreprise a un ensemble de prévisions, li gen des achats, li gen des moun la paye, etc. Li duil tout. L'État li nuil tout. C'est pour ça, par exemple, ou elle ou ap gadon budget, ça son l'autre point, puisque nous n'en budget. En général, n'ap di ou augmentation dans budget yo, mais
augmentation c'est nominal yo oui. Ça veut dire c'est là garde non oui, nous elle augmenter oui, mais soit garde la vraie valeur de cob là, c'est-à-dire montant budget, enveloppe budgétaire là, l'on retire l'effet de l'inflation, yo relé ça, le montant déflaté, on retire effet inflation là, dedans on prend en compte que écoutez ça ou te dit apparemment pas ça. Mais un problème dans ta gabose pour la douane, oui, m'a juste font parenthèse, mais un problème dans ta gabose pour la douane, l'ON a dit que la douane font gros performance là. En général, la grande performance que n'a bat bravo pour les chaque jour son performance nominale lié oui sous retirer l'effet de l'inflation ou bien ou garder le par rapport en convertissant le montant en dollars américains ou prendre nous compte que ça n'a dit qu'ils sont gros effet pas effet vrai non c'est-à-dire réellement pas une gros avancée n'a dit même s'il faut saluer qu'il y a une avancée nominale mais réellement ça n'a dit c'est pas tout à fait le cas c'est pour ça bien quand on pose question l'important quand n'a pas évalué montant c'est-à-dire qui réalisation gouvernement fait quand n'a pas réalisé quand n'a fait justement des évaluations pour que nous dit tête nous il y a la valeur nominale de la chose mais il y a la valeur réelle de la chose est-ce que réellement c'est même comme là n'a fini pour nous dire sous ça que moun yo juste besoin gagne bagaille l'autre gagne 25000 gouttes dans mon année dernière combien bagage ou te acheté avec jodi a combien bagage ou acheté avec sous ou acheté moins jodi a bien évidemment c'est le cas livre le dit que kobo a perdu valeur lors mon inflation de 38% comment ça le dit sous te gain 100 goud qui te vaut 100 goud année dernière en valeur de 100 goud jodi a faut faire 100 moins 38 en termes de valeur donc ou gagne même comme là nominalement mais réellement pas gagne moins comme là ou pas gagne même comme là donc ou son monde qui vient plus pauvre c'est ça inflation avant nous venir sur nouveau budget à guerrier du seul c'est vrai pas gagne trop de détails qui disponible mais quand même par rapport avec l'aide de cadrage que vous évoqué tout à l'heure par rapport avec notre ministère communication ministère culture communication métier de yoa gagne appréciation au café de lui mais en près troisième élément ça dans ça m'a demandé expliquer mounio tout à l'heure ou t'a dit nous dans budget pour exercice fiscal précédent donc il y en a un qui était occupé puis gros poste important et dans le budget c'est le service de la dette c'est vrai où tu parlé de dette nous gagnons pour une d'ailleurs dette pétrolière et autres mais ça nous voulait surtout capitaliser sur lui c'est et dette interne donc qui ça yo qui ça nous doit retenir sur ça et comment l'état prend l'argent ça à quelle fin alors et c'est une question extrêmement importante forme donc dernière donnée qui était disponible sur la question de la dette publique en Haïti puisque pas détaillé dans le budget en général il datait de 2020. Et bien la dette publique et les gains deux composantes, j'en t'avais expliqué, la composante externe et la composante interne. Je voulais dire que on l'état qui a fonctionné, puisque l'état a ouvert sur le monde, il est ouvert sur le reste du monde, les gains accès à marché financier mondial là. Ça veut dire que l'État a prêté comme. Même si de moins en moins, l'État a essayé de faire une prêter pour une bonne raison. Pour me prêter aujourd'hui, il faut son monde qui est solvable. Haïti a pris faut crédible, il faut payer des dettes. Haïti, comme en général, c'est annulé, il a pas annulé des dettes pour Haïti de moins en moins solvable sur le marché international. Donc, ce marché international a limité. Haïti, justement, dernière justement dette qu'il a gagnée sur le marché international qui était très importante, c'est à titre de Petro-Caribé. C'est-à-dire que pays a. Dans le programme Petro-Caribé, a joué un certain montant pour le prêter. Mais ensuite, justement, c'est leur dette plutôt bilatérale. Et il y a le Taïwan, justement, qui compte faire Haïti dette sous les dernières années. Yo. Ou bien, il y a le FMI ou la Banque mondiale qui compte prêter Haïti. Comme à preuve, nous avons dit que le FMI a prêté Haïti environ 4 milliards de dollars américains. Alors, pardon, 4 milliards de gourdes. Pardon, 4 milliards de gourdes, c'est 3,99. Donc, environ 4 milliards de gourdes. Maintenant, dette interne, qui ça a joué, Johnny? Dette interne, c'est que, gon ensemble, gon marché financier en Haïti. Qu'on d'accord, qu'on pas d'accord, l'extérieur. Mon faible rachitique qui pas diversifié mais bon marché financier c'est-à-dire que sous besoin si gouvernement besoin financer tête li ka financer tête li auprès des banques commerciales auprès d'autres institutions et financières qui pas bancaires donc non bancaires li capable mettre des bons du trésor yo sont instruments que gouvernement gagne pour que les lampanes li dit ou même vend nous ça son papier mbao bon papier me dit que prêter tant comme dans mon à tel taux d'intérêt à telle échéance ça veut dire m'a payer au tel moment donc gouvernement qu'on émet des bons du trésor jeune comme prêter c'est-à-dire nan men secteur privé à son marché à ou bien il y a l'autre institution qu'on prête le tout. Okay. Par exemple, ou qu'a gagné et on ensemble d'entreprises publiques qui a prêté l'État ou entreprises publiques, ONA ou AVCT, etc. ou qu'a prêté l'État ou même si, suivant la loi, il y a des problèmes justement qu'il faudrait regarder. Maintenant, qui est gros créancier l'État a gagné au niveau local, c'est-à-dire monde qui prête l'État comme souvelé en Haïti. Puis gros, c'est la Banque Centrale. Donc, puis faut comme l'État a doué en Haïti, c'est la Banque Centrale les deux. La Banque Centrale, vous comprenez pour nous faire souligner. Il dit, la Banque Centrale prête l'État, comme l'a prêté. Il faut remettre. L'État va remettre la Banque Centrale.
bah j'en moins un rapport côté que l'État rembourse la banque centrale. Donc il ne s'agit pas de prêt, mais ça en général, c'est la monétisation de la dette publique. Monétisation de la dette publique, c'est un gros terme. Lui, dit que c'est créé, c'est comme si Mdado, son création monétaire qui est faite pour l'État sans contrepartie. Mais la Banque centrale n'est pas capable de financer l'État, non, c'est l'État en difficulté. La Banque centrale a un caractère, en tout cas, les gagnants, écoutez, un statut indépendant. Les banques centrales en général sont, entre guillemets, indépendantes. Il y a des pays bien indépendants que d'autres, même s'il faut, en tout cas, lutter pour l'indépendance de la Banque centrale pour qu'il y ait appliqué politique sans absolument aucun problème. Mais en Haïti, par exemple, quand on a un problème, on sollicite la Banque centrale. Il est difficile pour la Banque centrale de dire non. Donc la Banque centrale prête, mais la Banque centrale va me toucher. Maintenant, quand on ne va pas toucher, qui voulait me poser? Donc, Pablo, tu poses une question sur la dette interne. Un bon détail, qui voulait me poser le papier? C'est que nous créons monnaie, pas gagner en contrepartie contre monnaie. Il favorise l'inflation. Il favorise l'inflation puisque si je vends 20 gouttes, il faut que je vende au bon moment de 20 gouttes pour ne pas gagner encore. Parce que soit elle vend l'autre monnaie encore, il y a 3 gouttes qui ont plaidé créer dans l'économie parce que quand la Banque centrale finance, c'est un good. Donc la Banque centrale, pas une pièce contrepartie qui va évoluer, elle crée de la monnaie parce qu'elle doit créer de la monnaie. Parce que la Banque centrale a créé de la monnaie, soit par un simple papier ou par plusieurs autres mécanismes. Donc elle crée monnaie, elle baille l'État comme, mais l'État ne va pas gagner. Eh bien, elle déstabilise l'économie. C'est pour ça, en général, Johnny. Quand tu as commenté qui ça nous dit, le financement de la monétaire de la Banque centrale, les sources d'instabilité de prix. C'est-à-dire que il fait non seulement gouttes la perte de valeur par rapport au dollar américain, c'est normal. C'est normal puisque il y a plus gouttes créé dans l'économie qu'à chercher dollar. Eh bien, il fait gouttes la perte de valeur puisque gouttes à chercher dollar. Il y a plus gouttes de plus en plus qu'à chercher dollar. Eh bien, ce qui arrive, c'est que la goutte perd de sa valeur, eh bien le dollar la prend forcé. Deuxièmement, il va le voir directement inflation. Donc point ça est extrêmement important. Donc c'est la Banque centrale que l'État a doué en général, c'est le plus grand créancier de l'État en Haïti, mais nous parler de dette, en réalité, c'est presque pas dette, c'est soit à carré entre guillemets. Donc le terme n'est pas tout à fait propre, mais c'est beaucoup plus rapproché de ça. C'est la monétisation de la dette publique, c'est-à-dire l'État a doué, l'État a dit Banque centrale, il y a problème, donc besoin là environ 40 milliards de gouttes de la Banque centrale, les fait rouler ce qu'on appelle sa planche à billets, il baille l'État environ 40 milliards de gouttes, même si l'État va pas promettre rien. Et c'est là le véritable problème. Nous allons entrer dans le nouveau budget. Mais bien avant, Johnny, bon, de économie, ça, c'est un sujet nous aborder souvent dans le journal, mais un auditeur ou auditrice partagé avec nous, il dit s'il vous plaît, mandez et partagez ça avec économiste là. Augmentation démographique là. OK, alors partager ça avec économiste là, augmentation démographique là, n'a perdu richesse et n'a croître démographiquement. Ça veut dire n'a perdu richesse mais n'a gagné plus monde chaque jour, chaque année. À qui ça nous attend nous, qui danger ça représente? Et mes réponses exactement, c'est la pauvreté. C'est la pauvreté de masse. Ça auditeur a soulevé là son question. On va